Joshua Tree, donc un fils de Montjeu, qui était un très bon cheval de course, qui avait gagné à 2 ans, qui avait duré, qui a gagné 3 fois le Groupe 1 au Canada, qui a duré jusqu'à 7 ans, avait débuté sa saison en 2015 au Haras du Grand Courgeon, par une année un peu timide, après une année passée en Irlande et une année arrêtée pour cause de colique où tout est rentré dans l'ordre. Le cheval revient au Haras du Grand Courgeon. Cette année, on a eu la chance de voir de très bons poulains de 3 ans débuter sur les obstacles. Une année qui était assez riche en nombre et globalement, les poulains se comportent plutôt très bien. La première qui s'est vraiment illustrée en course, c'est Hawaii Tree, qui était au départ à l'entraînement Eric Aubry du secteur et qui maintenant est sous la casaque de Magdalen Bryan, entraîné David Cotin, une jument qui est gagnante de l'Eastend, qui est vraiment très plaisante. Et puis on a vu aussi plusieurs chevaux gagner en débutant sur peau. On est vraiment parti sur l'obstacle. C'est vrai que la première année, le propriétaire de l'Atalon avait surtout axé l'accent sur des juments de plat. Bon, c'est pas non plus une région qui s'y prête beaucoup, c'est pour ça que le nombre était réduit de produits. Après, c'est vrai qu'il a fait 3 grosses années avec essentiellement des AQPS et des juments d'obstacles. On espère que ça va continuer d'exploser en début d'année. The astrological soul train getting down.